Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Donc aujourd'hui j'étais en train de filmer une vidéo du coup autre que celle-ci, mais du coup Dark Knight est revenu. Alors petit topo pour vous expliquer, je vous invite fortement à regarder la première partie de la vidéo pour comprendre celle-ci, sinon ça va être assez difficile pour vous de comprendre. Mais en gros dans la première partie de la vidéo, en fait c'était une personne qui a essayé et qui essaye toujours de m'arnaquer, qui a essayé d'arnaquer entre guillemets mon parent, parce que je me suis fait passer par l'un de mes parents ensuite pour lui dire ouais c'est pas bien, t'essaies d'arnaquer ma fille, tout ça. Et du coup la première vidéo s'était finie par je reviens dans 10 minutes pour continuer à parler, et du coup moi j'ai dit ne reparle plus jamais à ma fille. Et qu'est-ce qui se passe, bah j'étais en train de faire un autre truc, je sais pas quoi, une autre vidéo, et j'ai reçu une salutation de cette fameuse personne qui est du coup Dark Knight. Donc voilà, je ne te remercie pas pour ta salutation parce que je sais qu'elle est malhonnête. Et je vais regarder un petit peu si elle m'envoyait un message et on va reprendre du coup pour la partie 2, voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Donc elle nous dit re, ça va mieux, genre parce que oui, dans la première vidéo pour ceux qui l'auront pas vu, du coup j'ai fait genre j'ai pleuré que voilà, et du coup je veux dire re, j'ai plus le droit de te parler. Je vais lui dire ça, je vais faire genre tu sais en mode je reprends mon écriture mal pour qu'elle fasse la différence entre moi et entre guillemets mon parent, et je lui dis que tout simplement j'ai plus le droit de lui parler. Je remercie même pas pour la salutation parce que c'est pas cool ce qu'elle fait, cette petite manipulation mentale. Et là elle me dit je pourrais parler à ton père, alors c'est assez important, et au passage désolée que t'as pleuré tout à l'heure. Alors c'est très bizarre que cette personne elle est désolée, même si je pense que elle dit être désolée, mais que c'est absolument pas sincère, parce que bon, à partir du moment où tu sais que t'as fait pleurer quelqu'un et que tu continues à essayer d'arnaquer cette personne et même ses parents, c'est que non, tu peux pas, voilà. Et du coup je lui dis bah je préfère pas, il est pas content. Enfin ce serait pas logique que je redemande à mon père entre guillemets de revenir, à savoir que je suis pas censée reparler à cette personne, tu vois. Je pense que là je réfléchis en tant que, est-ce que si j'aurais été à la place de réellement une jeune fille, etc., qu'est-ce que j'aurais fait? Bon techniquement j'aurais dû la bloquer déjà, mais je fais genre je sais pas bloquer les gens, que je ne sais pas que c'est possible. Donc je fais genre je sais pas, mais effectivement si ça vous arrive, il faut que vous bloquiez la personne qui vous parle, parce que de toute manière elle ne peut rien faire, c'est juste une personne qui essaye de vous arnaquer, et ne vous inquiétez pas, vous aurez pas des soucis de paiement ou je ne sais quoi, c'est juste que cette personne utilise ce prétexte pour faire de la manipulation, pour avoir votre compte, donc n'hésitez pas à bloquer ce genre de personne. Au bout de ma vie, j'ai appelé ma banque et en effet l'achat a été effectué. Ils m'ont dit de régler le problème avec toi pour le moment. D'accord, donc t'appelles ta banque à 21h33 du soir. T'es sûre que c'est la banque que t'as appelée? Pas la peine de pleurer, je te dis rien de mal. Je suis gentille, tu sais, et je voulais t'aider. Oui, t'es tellement gentille que t'essayes d'arnaquer une pauvre petite. Enfin, du moins, je me fais passer pour une fille assez jeune. Donc voilà, je pense que vous avez remarqué à l'écriture que j'ai. Arrête de mentir. En fait, c'est vrai que souvent j'ai reçu des gens qui écrivent mentir avec ON, du coup, voilà, j'ai dit genre c'est ouvert à 21h32, arrête de mentir, mon père m'a expliqué que t'es juste une arnaqueuse qui essaye de pirager. Mais franchement, elle va super loin quand même, je suis choquée, vraiment, je suis vraiment très choquée, et bah je sais pas s'il y a des parents qui regardent cette vidéo en chemin, mais du coup faites attention parce que c'est grave, ça va très très loin encore une fois. Et là écoute moi, je n'ai absolument rien pour je sais pas quoi, et puis pourquoi je le ferais, je n'ai absolument pas envie de faire une énorme peine à une fille, à te écoute moi, je n'ai absolument rien pour te pirater. Bah oui c'est normal que tu n'as rien pour le moment pour me pirater, bah oui. Mais bon, à partir du moment où tu veux que la personne change de mail, que tu... Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite encore une fois à aller la voir. Mais en gros, elle m'a déjà demandé pour que j'aille échanger mon mail, que je lui donne mes infos personnelles. Je lui ai dit que je voulais pas donner mon mot de passe, du coup, elle a essayé de me gratter le compte par tous les autres moyens possibles. Et franchement, ça aurait pu marcher peut-être avec une personne jeune et qui n'aurait pas compris la ristourne qu'il y a derrière tout ça. Oh non, elle me ressort le « surtout que tu es mon amie et je ferai jamais de mal à une amie. Au contraire, j'aide mes amis et je leur fais des cadeaux. » Oh non, c'est pas possible. Mais la fille, je vous le dis honnêtement, ça fait qu'aujourd'hui que je lui parle. Hein. C'est la première fois que je lui parle, c'est aujourd'hui quoi. Donc je peux pas la considérer comme une amie.
D'accord, je l'ai accepté dans mes amis juste pour la salutation. Mais non, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Et c'est chaud quand même hein, de dire ça. Bon, petite répartie, hein. Non, les amis, ça pirage pas. Hein. Et imaginez-moi en train de bouder, tu sais, genre en mode les bras croisés, en train de bouder, la tête vers le bas comme ça. Alors, pourquoi tu crois que je te veux du mal? J'ai été sympa depuis le début, tu sais, car tu es une adorable fille. Mais mon Dieu, comment elle parle et tout. Non, mais je pense que ça, c'est... elle doit avoir plus de 15 ans, je pense. Je pense qu'elle a obligé plus de 15 ans. Je sais pas, elle doit avoir, elle doit être plus âgée que la moyenne des joueurs et des joueuses de Movistar Planet. Parce qu'elle écrit plutôt bien, elle manipule plutôt pas mal. Donc franchement, c'est écœurant, c'est vraiment écœurant. Et là, je dis m'arnaquer ailleurs avec un petit smiley diable parce que bon, j'aimerais bien à un moment donné qu'elle essaie de me lâcher la grappe et qu'elle comprenne que ça ne marchera pas. Mais ça va très loin le forcing. Des petits smileys comme ça en mode. Mon Dieu, on dirait, je sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Ça va peut-être rendre le truc un peu plus crédible. Bon, et eh bien, cela fait plus de 10 minutes que nous n'avons pas de nouvelles de Dark Knight, donc je pense qu'elle a bien compris qu'elle n'arriverait pas à tout simplement m'arnaquer. Du coup, je vais l'enlever de mes amis. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça avant, mais j'avais oublié. Je me suis dit, j'allais faire genre, je ne sais pas bloquer. Effectivement, j'aurais dû enlever des amis. Donc, on va l'enlever des amis. On va voir si elle va le remarquer ou pas. Et sinon, bah, ce sera la fin de la vidéo, puisque du coup, il n'y aura plus rien à ajouter. Voilà. Donc, j'espère quand même que ce sera quand même une grosse leçon de vie. Parce que moi, je me suis fait quand même axer sur cette vidéo quand même. J'ai été choquée, vraiment choquée, comme ça m'arrive très très peu de fois quand même, hein, de là, les proportions que ça a pris. Bon, aux dernières nouvelles, j'ai reçu quand même un message encore de Darky. Je vais voir un petit peu ce qui s'est passé, mais je t'ai pas piraté, tu l'as ton compte, je dois parler à ton père, c'est urgent, STP. je vais redire non. Non, je préfère pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, elle me dit c'est urgent, je lui dis il voudra pas de toute manière. Elle me dit il faut absolument que tu rentres le code du pack sur ton compte. Moi, je lui dis mais il n'y a pas de code pour les packs, il n'y a que des codes pour les cartes cadeaux. Et elle me dit si PayPal, je lui dis non plus, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de code PayPal, il n'y a pas de carte cadeau PayPal. Ça n'existe pas, je ne sais pas ce qu'elle a essayé de dire. Bon, je sais qu'elle a essayé de un petit peu dire des conneries pour encore une fois essayer de me faire peur. Et elle me dit, bon, tu sais quoi, je m'en fous de toi, finalement, tu m'as énervé. Je vais me plaindre à Movistar Planet et j'envoie un message pour déposer une plainte à ma banque. je n'ajouterai plus rien, je pense. Et comme Kikou, je dis, tu peux toujours essayer. Mon papa, il est avocat, il n'a pas peur de toi. J'ai super mal écrit avocat. Je m'en fous de son métier, vous êtes des voleurs. Bon, ok, je pense que je vais lui dire, je vais quand même lui dire au bout d'un moment que je joue la comédie depuis le début. Parce que voilà, avant d'aller, faut arrêter. Hein. Et là, elle me dit, mais je croyais que nous étions amis. Shame on you. Et bon, bah, je lui dis, mais je te connais pas en vrai. Hein. En fait, depuis le début, je joue la comédie. Hein. Faut que tu redescendes, mais là. Faut que tu redescendes, meuf XD. Oh, j'en peux plus. Mais dis, ok, super, je m'en fous, tu vas voir. Et là, je sors un fameux PTDR, un TKI. La personne qui va te faire avoir des problèmes. Oh non, s'il vous plaît. Bon, et finalement, je dis pas du tout en fait, t'es juste méga drôle et vraiment pathétique si tu le dis. Mais merci pour les saluts quand même, XD. Bon, juste histoire de la faire rager, de se dire qu'elle a utilisé les salutations pour rien, puisqu'au final, elle aura pas réussi à m'arnaquer. Et elle me dit ça, je m'en fiche, j'en fais à tout le monde. Oui, bah oui, tu fais à toutes les personnes que tu vas arnaquer et il doit y en avoir quand même un bon paquet. Tu crois que je suis une pirateuse, alors pourquoi j'aurais usé mes diamants pour toi? Bah justement, c'est une technique de manipulation pour essayer de faire genre que les personnes aient confiance. Et du coup, je lui dis que tout simplement, c'est pour gratter la confiance qu'elle fait des salutations. Quelle confiance, je suis pas pour faire des blagues de merde. Bon, je sais pas ce que... Peut-être conne, je sais pas. Non, il y a pas assez de dièse, enfin, il y a trop de dièse. Je lui dis, tu sais, ta technique de pack, etc., c'est que des âneries, ça existe pas de site MSP rétro, entre guillemets, ou je sais pas quoi, mais tu m'as bien fait rire. Et elle me dit, ok, alors comment j'ai le numéro du modérateur avec qui je parle depuis 2 heures? Et là, je lui réponds, tu parles avec un modo Casper. Très drôle.
je peux plus lui envoyer de message, elle vient de me bloquer. Elle me dit, cette histoire est loin d'être finie. Rendez-vous dans quelques heures quand ma plainte sera validée. La banque, c'est pas un site MSP de merde. Je crois que ça fait super longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça à des messages sur MSP. Je vous promets, j'en veux plus, je suis au bout de ma vie. Elle m'a tuée. D'ailleurs, ce que j'allais lui dire, je lui dis oui, ta banque avec qui tu parles à 21h35, JPP, tu me tues meuf. Mais comme vous pouvez constater, je peux pas envoyer de message. Désolée, tu peux pas faire cela, tu as été bloqué par cet utilisateur, ce qui t'empêche d'interagir avec lui ou elle. Voilà, donc c'est simplement pour finir la vidéo. Je vais vous inviter quand même, si vous pouvez, à signaler cette personne parce que ses agissements vont méga trop loin. Donc moi, bien sûr, je vais signaler également cette personne parce que c'est allé beaucoup, 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 beaucoup trop loin. Voilà, pour qu'elle ne puisse plus jamais revenir sur ce jeu, même si, vous savez, c'est un peu comme la vermine, c'est un peu comme les rats. Il peut y avoir la fin du monde, les rats survivront toujours. Voilà, c'est ce genre personnage que c'est Dark Knight a créé, de toute façon, même si elle est bannie, d'autres comptes pour continuer d'arnaquer les gens. Donc on pourra jamais éradiquer jusqu'au bout, mais si au moins on peut éradiquer un compte comme celui-ci du jeu, ce serait déjà pas mal. Voilà, n'hésitez pas à parler de cette vidéo à vos proches, surtout aux personnes qui sont assez jeunes, pour les sensibiliser à ce genre de technique d'arnaque, vraiment. Parce que franchement, j'ai beaucoup rigolé, mais en soi, le sujet n'est pas drôle. Parce qu'une personne qui serait pas moi à ma place, en fait, une personne plus jeune, elle aurait pu avoir très peur, elle aurait pu se sentir très mal. Et ça aurait pu la travailler pendant plusieurs jours. Vous savez, le genre de choses que vous pensez que ça peut aller très loin. Au final, non, mais vous êtes jeune, vous ne le savez pas. Et qu'au final, ça va vous travailler pendant plusieurs jours. Vous allez avoir peur pendant plusieurs jours en disant « Oui, j'ai peur, si elle a vraiment porté plainte, etc. etc. » Alors que non, mais ça, vous le savez peut-être pas. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout aux personnes les plus jeunes autour de vous qui jouent à Movistar Planet. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. Et du coup, ce sera la fin de ce genre de vidéo. Ciao, ciao.